Et oh! Rachel, salut, c'est Alexis, comment allez-vous? Ouais, je fais ce truc. Hop! Bili bili bili. Dix-neuf TPS? Yay! J'ai modifié pas mal de choses. Hein. Modifié pas mal de choses. Hein. J'ai retiré des choses aussi, ça va à rien. J'ai retiré ça, dont j'avais plus besoin. J'ai retiré mes lasers ici parce que pour l'instant c'est full, j'en ai m'en fous. Et tout là-dedans, j'ai modifié les extracts aussi. De toute façon, ça c'est full, ça c'est full. Ça c'est full. Y'a que celui-là encore après à faire apparemment. Et normalement tous les lasers, peu importe où ils sont, maintenant il n'y a plus qu'un extract à un tick. Hein. Même ici j'ai retiré les lasers, j'ai mis des cams normaux à la place. Hein. Histoire de dire. C'était moi le problème, alors c'était pas moi le problème, c'était Lazerio le problème. Et du coup oui, vu que je suis seul à l'utiliser presque, c'est en partie moi, mais. Enfin je crois que ma peur l'utilise aussi. En fait le problème c'est que Lazerio, si tu mets les extracts à assez basse, notamment vers un tick ou deux ou quoi. Ça fait ultra lagué. Alors qu'avec d'autres modes, ça pose pas de problème. Alors c'est normal que ça consomme un poil plus de ressources. Forcément, si tu check 20 fois plus les trucs. Hein. Mais avec Lazerio, c'est genre fat quoi. Genre vraiment problématique quoi. Du coup, pareil, ici j'ai modifié. Ici à la base, c'était du Lazerio. Bah, j'ai foutu des câbles normaux maintenant à la place, etc. En gros, partout où je pouvais retirer Lazerio pour remplacer par un autre truc, j'ai remplacé. Ici j'ai câblé en énergie avec ça, derrière pour les items j'ai vite fait mis du mechanism, en dessous là pour ramener les trucs j'ai mis l'intégrative dynamique etc. Par contre intégrative dynamique c'est je crois sur toutes les ressources du serveur ça prend par exemple genre 1% je crois. Type Z c'était 3% etc. Les drawers, enfin functional storage c'est quand même 20% de la charge du serveur. Enfin c'était du coup. Maintenant je pense que c'est la plus grosse charge d'ailleurs mais. Mais la Zerio c'était 40% hier qu'on a fait le profile. T'en es rendu compte comment? Bah juste on a fait un stage profile et on a regardé ce qui vous fait le plus quoi. Et c'était écrit laser note 40% donc donc je suis allé tester et voilà quoi. Ça m'a occupé la soirée hier. Ouais je sais même plus à quelle heure j'ai fait ça. Non bah c'était hier, c'était après le live en vrai. C'est juste après le live que j'ai fait ça je crois. C'était juste après le live hein. Donc je suis bien amusé. Pareil hein, je me connecte. Je check un petit peu qu'est-ce qui a été fait. Donc condensé de blood et tout c'est full etc. Voilà la potage ça avance bien tout ça tranquille. Et je me dis on va regarder les capacitors et tout. Et je vois il y a que 30 000. Sachant qu'hier quand j'ai déco ça avait déjà fait plus de 10 000. Je me suis dit c'est bizarre que ça ait fait que genre 20 000 en 20 heures. Alors que ça a fait 10 000 en 1 heure tu vois. Je me dis il y a une couille dans le calcul là. Et je regarde je vois il n'y a pas les crafts. Bon là ici en plus j'ai réglé le problème et je vois il y avait rien qui se lançait. Mais chelou, je vais essayer de lancer le craft à la main. Je vois plastique, il y a écrit 0. Je me dis ah. Je vais voir le drawer, il en est fait à 0. Ah. Je vais voir le poulet. Il y avait pas de câble en dessous. Il y avait pas de câble sous le poulet. Sauf que du plastoc. J'en avais genre des centaines de milliers en stock. Puisque j'ai réussi à faire je sais pas combien de capacitors, etc. Donc comment j'ai pu avoir des centaines de milliers de plastique en stock s'il n'y a plus le câble? Et comment il n'y a plus le câble? En fait, il n'y avait plus l'interface, enfin il n'y avait plus l'importeur. Le câble était encore là. Il est où le plastique Bertrand là? Il est là. Le câble était là, il n'y avait plus ça. Alors pourquoi je sais pas hein. Mais pourtant il était câblé hein, parce que j'aurais jamais crafté, j'aurais jamais fait autant de craft au plastoc hein, sans avoir le poulet de plastoc hein, qui fonctionnait donc je sais pas. Donc c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Je n'ai point d'explication. Ouais après j'ai peut-être mislick à un moment donné mais en fait enfin je vois pas comment je pourrais mislick un truc sachant que dans cette salle-là je casse rien. Sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ça y est.
Putain, hier, là, je regardais Fier sur QSMP, là. Ah, c'est terrible, hein. Ça donne trop envie de... d'avoir une sorte de survie... modé plus, quoi. En vanilla plus modé avec des modes d'exploration, etc. Genre, en fait, le mode cataclysme, là, cataclysme, il est trop bien en 1.20. Parce que nous, on l'a sur notre pack, là, actuellement. Mais on l'a pas en... On l'a en 1.18, en fait. Et en 1.20, il y a plein de boss et tout, en plus. Fallait être invité? Non, mais après, un QSMP... Enfin, en fait, le serveur QSMP, tu vois, je pense... me plairait pas dessus. Parce que faut interagir en anglais, faut machin, etc. Bref, il y a plein de raisons. Mais par contre, tu vois, un truc... du coup, avec les membres un petit peu de... bah, de ce qu'on a sur le serveur, un peu d'Holicube, etc. Tu vois, enfin, du groupe habituel, en fait, j'ai envie de dire. Mais avec justement plein de modes d'exploration et vite fait 2-3 petits modes techno, tu vois, mais très vite fait, quoi, vraiment très vite fait. Ça serait vraiment cool. Hein. Mais il y en a plein à être pour en plus, hein. On est vraiment beaucoup, mais faut juste que. Le problème, c'est qu'en fait, faut juste qu'il y ait quelqu'un qui se motive à faire le truc, quoi. Le problème, c'est du coup, faudrait un mode pack en fait pour ça, quoi. Faut faire soi-même son modpack, faut machin, faut ceci. Donc bon, ça c'est good. Je pense qu'on va aller gérer data model déjà. Je vais au moins les mettre à tourner. Le problème c'est qu'en fait attends les mettre à tourner, j'ai même pas ça pour les mettre à tourner. J'ai pas mis les time bottle parce que là clairement la time bottle elle est pas si chère que ça, parce que du coup hier j'ai FK, mais en fait il y avait le reboot à 19h, je me suis bien fait niquer. Que là oui j'en ai plus besoin. Le Gaïa. Faut que je le pose. Le Rodbit, là j'en ai pas besoin. L'Underman, faut que je le pose. Enfin faut que je l'upgrade du coup. Le Blaze, faut que je le pose. Le creeper, faut que je upgrade. Hein. Ok. Donc ça et ça aux F tiers. Déjà, on va upgrade ça. Creeper! La motive soit, ouais, enfin, c'est plus simple à dire qu'à faire. Hein. Plus simple à dire qu'à faire. Hein. J'ai déjà pas installé les shaders, créer son propre modpack, c'est déjà un peu plus complexe, quoi. En parlant de ça d'ailleurs, il faudrait que je vois un peu pour les shaders, etc. La prochaine fois que je voudrais faire soit du Holicube, ce genre de choses, ça pourrait être sympa en vrai de jouer des shaders. Ça embellit un peu le truc. Hein. Surtout si après c'est un truc un peu justement en type exploration haute avec des grottes custom ou genre de choses. Enfin avec des modes custom. Ou des attaques ou autre. Hein. Ça rend tellement beau. S'il y a un autre Helicube. Non mais il y aura quoi qu'il arrive un truc, de toute façon c'est toujours pareil. Hein. Ouais, si ça s'appelle Helicube, ça s'appelle pour Helicube, on s'en bat les couilles, mais... C'est énervé ce truc. Après, par exemple, ici, vous voyez, sur les setups comme ça, c'est pas dérangeant d'utiliser la Zerio. Dans le sens où, en fait, tant que tes extracts. Là, les extracts, vous voyez, elles sont clairement pas boostées. Hein. C'est vraiment des extracts de merde. Hein. Parce que ça produit lentement, donc t'en fous, en fait. Donc là-dessus, c'est pas dérangeant. Par contre, attends, faut que je me souvienne du coup, c'était quoi mes codes couleurs? Ok, c'est orange, puis après, ce sera bleu, puis après, ça machin, etc. Ok. Vraie question. C'est pas automatisé cette merde. Hein.
On va aller auto ça, on va auto ça, on va auto ça, on va auto ça, on va auto ça. Auto ça du coup. Auto ça du coup. Y'a un 5 antimatière, je crois pas. Ça c'est ça. Ça c'est ça. Reste blasé. Ça s'en fait des crafts. Hein. Bon, on va déjà remplir de toute façon les trucs existants. Bien. La mort qui pète un câble. Débrouille tout seul. Un, deux, trois. Donc moi faut 11 déjà au moins là. Il faut 11 même plus un 12e pour la. Pour Gaïa quoi. Gaïa je l'ai pas noté mais il faudra que je le mette. Hein. Ouais. Enfin, qui me manque quoi? Il manque Iridium, Compressed Ball. Bon ça je peux. Je peux les faire à l'avant, de toute façon après ça faudra qu'on l'automatise donc. Par contre Iridium on va aller faire le poulet. Comme ça on sera tranquille. Iridium par contre attends du coup ça va me le chier en raw. Ouais. Le bonheur de pouvoir faire les poulets à chaque fois parce qu'on a juste 4 milliards de chicken shell de prête là. Trop bien ça. D'ailleurs ça donne quoi là-dedans? Oh bah. Oh on a encore 14. Appuyer la merde dans l'inventaire. Parce que forcément, bah il y a des endroits où j'ai cassé du coup me laser et tout parce que je voulais remplacer par autre chose. Du coup dedans il y avait boîte, milliards de cartes. Laisse tomber. Laisse tomber. Bon, en vrai la tuile diviner, le foutre là-dedans, j'en ai plus besoin. Hein. 1m64, sinon ça va aller beaucoup trop vite en vrai. Parce que là 128 à 20 FPS j'ai pas envie de tester hein. Par contre j'aurais pas les 16 poulets hein, avec ça. Benastory, sachez-le comment allez-vous? Ouais, c'est vrai, une zone 4 et qu'en fait, du coup, t'arrives pas à avoir tous les poulets. Chier. Après, je peux les laisser en soi. J'ai quand même plein d'iridium en fait, donc au pire, en attendant, juste en poser un petit peu et tout casser. Hein. On va économiser un petit peu le temps d'un time bottle quand même. Allez, on cuit tout ça là. Et gong. Ah, par contre, attends, il va me falloir la dinde de. On a dit compresser de bol, c'est ça? Donc, il disait que je voulais économiser de l'énergie, enfin de la time bottle. Hein.
Ah ça va, c'est pas si long que ça en vrai. Oh, je vais mettre un petit chest avec un câble devant, un câble au-dessus là, puis hop, on parle plus. Hein. On va se mettre du pip Z. Attends qu'on a pas mis du pip Z. Hop, hop. Je sais même pas si ça sort par où tu veux ça. Si, ok. Voilà. Comme ça, au pire, je vais aller préparer les data models en attendant que ça me prépare mes ressources. Que ça me fasse mon poulet, etc. etc. Time Attack est souvent un item cher, mais si utile. En plus, en ce pack là, en vrai, elle est même pas chère. Hein. Elle est vraiment pas chère. Faut un truc là, des Warden, mais t'as des structures partout, donc c'est très facile à avoir. Hein. Faut faire un tout petit peu d'Ars nouveau, mais c'est pareil. Enfin, le craft, c'est ça du coup. Ouais, c'est ça. Hop. Mais c'est très facile à avoir. Pareil, ça c'est très facile à avoir. Ça c'est juste des matériaux, c'est juste des outils épiques que tu vas venir recycler. Et ça c'est juste du diamant, de l'iron, du gold, etc. C'est vraiment bidon ça. Tu veux pas changer l'underchest avec le putsch et tout? Non. Non bah je changerai quand on switchera quoi. Mais là en vrai, ça d'ailleurs j'en ai plus besoin. Alors attends, ça c'est ce qu'on va déposer. On va aller mettre ça. Ah non putain merde, faut que je le passe déjà au truc du dessus. Pourquoi pour le passer au truc du dessus? Ah faut le trophée. Polymère. D'accord, comment ça va? Est-ce qu'il y a beaucoup d'items dans les Diamond Chests, ça peut créer du lag. Hein. Normalement, ça pose rien comme souci. Pas de raison que ça crée du lag d'avoir des items. Enfin, ça dépend, en vrai, si c'est des items. J'allais dire, type des épées, des machins, des outils comme ça, en fait, avec plein de NBT. À la rigueur, mais normalement, même pas, en fait. Même pas. Mais je sais que nous, on a des gros problèmes de TPS, et c'est à cause de l'Azerio, par exemple, tu vois. Ah, il faudra que j'aille chercher ces meubles-là en fait, là. Relou ça. Bon, Alpha Yeti, on va aller le prendre. Déjà, ça fait. Alpha Yeti, imagine qu'il faut le. Il faut l'Alpha Yeti fourrure. J'en ai ça? Ouais, ok. On va déjà aller faire ça. Blaze, je l'ai, hein. Ouais, Blaze, j'ai. Blaze, Enderman, Creeper, j'ai. On zombard, c'est bon. On le met à farm. Ok. Je suis en solo, j'ai des gros spikes waiting for server. Hein. C'est bizarre ça. C'est bizarre quand même. Ça va être une forte membrane qu'il faut pour ça. Ouais. Mais ça peut être, comme dit, hein, ça peut être des câbles et tout, ça peut être plein de trucs. Hein. Si t'as mis du laserio partout par exemple, full upgrade à fond, ça peut gérer des problèmes quoi. Salut, ça fait lag. Type Z, ça va. Enfin, ça peut faire lag comme tout, mais ça reste ok en théorie. Ça dépend en fait, quoi. Mais ça fera moins laguer que la Zerio, pour le coup. Qu'il n'y a plus de boss ici, hein. Je crois que j'ai tout fumé à l'intérieur. Hein. Je confirme.
Ouais, chercher à droite du coup. Mais à droite, il y a peut-être un monde aussi, c'est fait fumer aussi. Du coup, s'il n'y a pas à droite, on ira chercher au nord. Piri pi pi pim. Palais dans grosse quantité, même endroit pour faire lag, ouais. En vrai, quand tu regardes le palais de chez Bazon. En vrai, là, il y a quasiment tout le monde qui a câblé ses poulets avec Pavé Z. Hein. Et pourtant, ça prend que 3% de la charge. Mais putain, mais ils ont tous fumé les Yeti ou c'est parce que bon, là? C'est quoi le délire? Hein? Quel est donc l'intérêt? Ah, j'allais dire, quel est donc l'intérêt? Mais en vrai, peut-être pour les armures? T'as des armures de Yeti. Pour les crafts late game? Ouais. Oh, Samir. Oh, ça va aller très fort à explorer dans. Dans une direction en avant. Je sais pas, des time powder? Qu'est-ce que donc? Non, en plus, attends, les trucs de Yeti, de toute façon, tu peux le farmer avec les Yeti en plus. Y'a absolument aucun intérêt à rien. À tous ces butés, quoi. Un truc qui est sûr, j'imagine, ça fait pas plus boss. Ah ouais? Ah ouais. Quel alternative avait pas évité, par exemple, pour les poulets? Interactive Dynamics, c'est ce que j'utilise, moi. Qu'est-ce que. T'es géré avec le cul ici? Oh attends, en vrai. Y'a pas un monde où il y a une petite merdouille qui donne du night metal là? Peut-être là. Je dirais de faire spawn des monstres. Oui. Oh, petit goobling! Ah, mais toi, tu donnes pas du night metal, toi aussi? Oh, tu donnes de la merde. Hein. Tu donnes de la merde. Oh, ça donne. Ah, mais il m'en faut plus en vrai, pour un poulet. En tête, t'as un modèle en vrai, hein. Dans le doute, hein. Je pourrais avoir quelques prédictions, au pire, hein. Ça me coûte rien. Ah putain, il m'a fait peur le con, il sort d'où lui? Bang! Ah, mais j'ai un œuf! Bon, on va faire un spawner. En plus, c'est bien, c'est discret, comment ça fait pas de bruit. Bah, si, ça donne une amédale. Hein. Un truc qui a fait boum. Ça fond ça? Non, ça fond pas. En vrai, ça se recycle pas, c'est chiant. Bon, F. Hein. Peut-être c'est un donjon, je m'y repère jamais. Alors, moi, j'y vais en mode YOLO là-dedans, je sais pas. Après, sur la carte, tu peux t'aider un petit peu pour voir. Les ingles d'armure, ça me bloche, pas non? Pour voir un petit peu où t'es, mais. Oh, il est où lui? En vrai, juste une piñata sur un des meubles là, on est Gucci hein. Rare que je vois autant de monstres d'ailleurs dans cette structure là. Le titre ça spawn vraiment pas. Je suis surpris qu'il y ait. Enfin, autant au début ça a mis du temps à spawn. En même temps, à quoi font la caisse, ça a même pas le temps de spawn, tu me diras.
Les naturels ont les cheveux bizarres. Ah, ça c'est des cheveux bizarres ici. Il me faut combien? Il me faut. Oh, oh, il y a du monde là. Pinata? Non? Pinata? Pinata! Let's go, on rentre à la maison. Putain, mais non, mais je suis con. Oh, je rentre à la maison, j'ai pas mon truc. Je suis pas venu pour ça à la base. On va explorer par là, là. Par contre, ça c'est cool. Hop, 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 hop. Ah, à la base, on est venu pour les Alpha Yeti. Juste tombé par hasard sur la structure. Hein. Ouais, Minoshroom, c'est dans un truc là-dedans là. J'adore te voir sur Minecraft Monday, te voir prendre du plaisir sur le jeu. Oh, c'est que tu dois pas être là tout le temps. Il y a des moments où tu prends moins de plaisir, on va dire. Enfin, c'est pas qu'il prend moins de plaisir, c'est plus titan plutôt. Mais là, j'aimerais bien en ce moment avoir un deuxième truc à côté de Ragna. Soit un truc un peu vanilla plus ou quoi. Mais je pense qu'en ce moment, il n'y a pas grand monde qui est chaud pour faire un truc parce que. Bah, déjà, pour l'instant, il n'y a plus de nouvelles versions sur Minecraft. Puis tout le monde a déjà un peu des projets à gauche à droite. Hein. Je pense que s'il y a un nouveau truc, ce sera pas avant cet été. Mais j'aime bien avoir deux trucs en même temps, quoi. Genre un holy cube et un modpack à côté ou autre. Bonjour! Alors, on s'en prend, s'en prend. Hop, c'est ciao! Y'a que ça qu'on upgrade, hein? Ouais. Enfin, le Yeti? Ouais, surtout qu'en fait, les deux structures étaient déjà faites. Hein. C'est pour ça qu'il y en avait 20 qui n'étaient pas. J'ai plus le temps, je suis allé verser les couches parce que quand je peux. Non, non, mais je te taquinais, t'inquiète. Je te taquinais. Bon, bah, le Fayetti, c'est en cours. Urgast, ça en cours. Fantôme, ça en cours. En vrai, il faut aller chercher les trois loups-cycles. Hein. Et les, le Snow Golem. Hein. J'ai de la pumpkin, moi. Ah, j'ai grave de la pumpkin, là. J'ai de la snow. J'ai quasiment autant de snow que de pumpkin. Quoi. Oui, il y a cheers pour faire le snow golem maintenant, je crois. Mais dans tes conneries. C'est Sphinx, bon, ça va. C'est Tiger, ça va et toi. Il va y avoir des pumpkins qui traînent dans le village. Ah, en vrai, attends, j'ai passé la nuit parce que la flotte c'est chiant de fou. C'est chiant de fou. T'as bien ton boss, ça va, nickel, écoute. Nip. Oui, quelque chose qui ressemble à des pumpkins. Je crois qu'il y en a après des pumpkins, si je dis pas de conneries. Il y en a entre chez Bazon et chez moi. Non? Je sais plus, je suis persuadé d'en avoir vu quelque part. Mais dans le village là. Les couilles. Hein. Oh. Hop. Bon, ça c'est bon. Non, j'ai pas me taper en vrai. Hop, salut. Ça c'est good. T'as regardé quoi ça? Bloc de neige, très bien. Il me faut 3 data models normalement. 1, 2, 3.
Oh, les trois trucs là. Alors le Blitz, ça va être dans les biomes enneigés. Non, Blitz, non, attends, le Blitz, c'est les biomes enneigés. Je crois qu'il y en a sur la lune de ces mobs à la con. C'est-à-dire qu'il y a un système de jour-nuit sur la Lune? Ouais? Attends, faut que je teste. Ah, ça marche là-dessus. Hein. Une question, c'était toi qui faisais le mode cube avec Pierre dans lequel il avait fait son usine à Sushi Create? Non! Il était avec Jimmy et Punk. Il y a plein de choses qui ressemblent à la pumpkin, mais la marge d'erreur est assez large. Un truc qui a spawn là-bas. Là. Spawn là-bas ou il a spawn en grotte? Il a spawn en grotte. Oh. Hein? Non, ça c'est les aliens, hein. C'est pas ce que je recherche. Cheese. Ah, ça m'intéresse. C'est qui ça? Blitz, ok. Normalement, c'est sous-grade avec ça. Parfait. Enfin. Ça m'en fait un de moins à choper. Allô? Vous savez qu'il y a des montagnes? Vous pensez que là-dedans ça spawn là? C'est un peu petit comme montagne quand même. On dira, c'est censé faire soit montagne, soit biome enneigé. Donc, dans les deux cas, c'est ce qui m'intéresse. Ouais, c'est à voir si ça spawn quoi. En fait, je sais même pas si ça peut spawn sur la neige. Enfin, genre s'il y a des couches par-dessus. Ok, une araignée qui a l'air d'avoir spawn, donc je pense que ça spawn. Ben, en fait, avec Pierre depuis un an et demi, j'ai l'impression d'avoir vu un truc de vous deux, mais je te connaissais pas à l'époque, comme je suis affilié à internet, j'avais vraiment fait une info. Un an et demi? Qu'est-ce que j'ai fait en un an et demi avec Pierre? Hormis les Season Sky, Holycraft, etc. Bah, après, Modécube, j'étais sur le serveur aussi, hein. J'étais juste pas dans sa base. Hein. Bon, c'est un peu petit quand même comme biome pour se balader et trouver des trucs, hein. Je sais pas s'il met ça et considéré comme un bio montagneux. Ouais. En vrai de vrai. Ah, c'est un poil plus grand, mais ça reste quand même petit quoi. Et ça va, donc vous avez dû vous croiser, j'ai dû voir, ouais. Ah oh oui, ça on s'est croisé, c'est ça. Ça c'est sûr, c'est si sûr. Non, parce qu'avant, après, on avait fait des cités ensemble, on avait fait Folicube ensemble. On avait fait FTP5, avec la même base. Après on a fait FTP6, FTP Next Gen, FTP machin, FTP... FTP je sais plus combien. Ah, y'a un petit monde en vrai là-dedans, ça spawn du basal quand même là. Ça spawn des creepers chelous, mais oh, y'a des problèmes d'FPS là, tu vois. Youh! Peut-être pas au final. Immense, mais ça, ouais. Trop bien. Spawn des Yusk là-dedans? Des Yusk 2? Apparemment. Ah c'est mort, il n'est pas instancié ce coffre.
Ah, mais c'est que là-dedans, j'ai plus de chance de trouver un Blitz que de trouver un Basalt ou un Blaze en fait. Hein. Le biome de mort. Ouais. En vrai, je pense qu'en montant par là-bas, il y a moyen de trouver des montagnes. Mais là, j'aurais pas les mobs qui m'intéressent là. Ah bah, on a un loot des mobs. Et tu cherches, j'ai une, ne peut pas te dire en quel biome slash planète tu en trouves. Je pense pas. Et encore l'image de WAF, putain, ouais. Sans déconner quoi. Oh, si là-dedans ça spawn pas. Oh putain. Ah! Ah, mais je suis déjà à 100% de ramaloué, c'est un délire. Hein. 1.18. Hein. Victoire 3 blocs, ça y est quoi. Un vrai spawn là-dedans? Pas de vrai. Elle a bien spawn en tout cas. Ah là, il y a là les mobs. Oh putain. Comment ça se fait que... En fait, peut-être qu'il y a une hauteur max pour le spawn? Non, je pense pas. Par contre, c'est le gars bizarre qui a des spawners comme ça à l'air libre. Comme ça, on est en grotte. Chelou. Enfin, j'ai la technique dynamique sur le main reel, ouais. Mais main reel, c'est très facile à avoir. On trouve partout, en vrai. Bah finir par avoir la Dreadful Dirt je pense hein. Aïe. Nyam. Ah, j'ai pas de truc d'essence. Fuck! Tu viens de chez Smarties là? Putain, mais je suis trop con en plus, j'en ai de ça! Attends. Ça marche avec toi, non? Ouais, trop con.
Prends un Z-Touch pour casser ça au cas où. Est-ce que j'ai chez Smarties là-dedans? Je crois que je l'ai à Weston. Je sais quoi là? J'essaie de trouver un Bazard et un Blaze. Dedans. Il spawnait où? On dit dans le Nether? Ouais, mais je suis sûr ça marche en dehors de. Mais je sais pas. Pour moi, t'en as un, c'est désert, neige, montagne. On a décidé, non? Les zombards qui veulent mon cul. Peut-être que je claim la zone par contre. Oh, t'as qu'un creeper qui m'encule le truc. Je vais être fou l'inventaire. Il y a une piñata sur une witch ou ça se passe comment là? Non. Non plus. Toujours pas. Non, après, ça spawn peut-être pas dans ce bien. Tu sais pas considéré comme une montagne. Un truc que ça peut stony peak, j'ai envie de te dire, c'est quand même assez explicite, mais. Hein? Musique? Musica? Spotify est pété. Allô? Allô? Œuf? Que je fais de musique. Hein. Je sais que je peux récupérer la terre et la Z-Touch. C'est pour ça que j'ai pris la pioche là. C'est pour ça que j'ai pris la pioche. Non, mais ouais, non, bon, si ça a pas l'air. Hein. Ça a pas l'air fifou. Ouais, je sais, on aura bien m'enneigerait en vrai déjà, au moins. Pour le Blaze. On ira essayer dans le Nether, sinon pour le Basal, hein, j'ai envie de dire. Ah, les piñatas, c'est vraiment, c'est quand t'en veux pas, ça t'en chie à l'appel. Par contre, quand tu veux piñata à un moment particulier, tu vas être gratté quoi. Où c'est qu'on a un biome enneigé? Mais genre, pas juste une montagne de merde quoi. En vrai, on a pas de biome vraiment de neige. Hein. Ouais, nature qu'on passe, mais pour que ça me ping à 10 km là. On est plus? Ah, c'est là. En fait, quoi, Toundra, ça marche? Exopote, moi? C'est Toundra, comme ça. Ouais. On prend une Snowy Forest, hein. Ah, c'est Taiga, pas Toundra que je voulais mettre. Snowy Taiga, y'a quoi? 3900 blocs? Ouais, faut gentiment aller se faire foutre, je pense. En vrai, ça a ping à quoi encore donné? 617 moins 4000 et quelques. Oh, c'est pas si loin que ça, hein, si t'arrives là. Hein. Le truc, c'est que là, j'ai pas de TP. Snowy Forest, hein, quoi. Bon, globalement, c'est par là-dedans, il y a la neige. Bon. Ok. Et le plus proche pour y aller, c'est. Il y a vraiment un plus proche pour y aller en fait. Honnêtement, le plus proche pour y aller, c'est là où je suis. Hein.
Parce que depuis Gull River, j'ai autant de blocs à faire quoi. Limite. C'est marrant qu'il y ait si peu de biomes enneigés par contre. Ah, dans 5 minutes, t'as là. Non, mais au moins, ça laisse le temps de faire ce que j'avais balancé là, les compressed balls, etc. J'ai mis des trucs à faire dans la base. Au moins, ça a bien le temps de les faire quoi. Là, le poulet, je suis sûr d'en avoir 16 quand je reviens quoi. Bon, c'est des petits fruits, c'est normal hein. Bien chaud le biome d'ailleurs. Tropical Rainforest, courage, t'y es presque à côté. Ah, y'a rien. Mip. Alors non, bonne génération comme il faut là. Oh, ça va en vrai. Pour les zones inexplorées, ça charge quand même bien quoi. Il reste 1300 blocs. Sachant qu'il y aura peut-être un biome ou deux enneigé avant. Hein. Vu qu'il y a plusieurs biomes enneigés à tout moment. Ah! Tapping sur le plus proche. Ah bah on arrive dans les droits des explorés là. Non? Ah mais au final, putain, ok, c'était en haut à droite en fait. Je pensais que c'était en haut à gauche de là où j'étais. Oui, donc non, ça aurait été carrément plus rapide de se taper chez Gull River de quoi. My bad! Vous avez commencé à faire un truc ici hein. Ah mais attends, mais c'est l'endroit de build de Alp ça non? Pour rien avoir. Non, c'est peut-être un truc tu me diras. C'est que là il me parlait Relo en fait. Où ça? Parce que c'est, j'ai pas envie d'aller dedans. Ah si, c'est chez Alps. Y aurait-il une Waystone là-dedans? J'ai dû mettre un point de TP quelque part. Passe dégueulasse! Peut-être pas Midwaystone du coup. Bon, pire, je vais mettre un truc avec ça. Hein. Passe dégueulasse. Après oui, du coup sinon au pire je prends le TP dans sa truc et puis vrai que sinon je me TP directement chez lui et après je prends Dissocator quoi. C'est pas la base dégueulasse ici? Ah c'est écrit base dégueulasse, c'est base dégueulasse, m'en fous. Un petit biome enneigé ça dis donc. Bon, y a un petit village en primo. Bon, y a peut-être un monde où j'ai même pas besoin de poser la Dreadful Dirt et puis il y aura des blazes. Hein. Et je crois qu'on a quand même posé la Dreadful Dirt et qu'on va pas se faire chier à attendre. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est des creepers! Tout kiki! Trop mimi! Ils sont pas agressifs? Ah ouais? Ah ouais? Trop mignon. Il y en a partout. Mip mip. Je vais mettre en bas dans la plaine de balle. Qu'est-ce qu'on a ici? Town touriste, c'est quoi? C'est juste 5 types de villages différents. Bon, au pire, il y a une Weston.
Au pire. Voilà. Ça. Si jamais il y a besoin. Que ce soit de venir prendre de la neige ou autre d'ailleurs. Pourquoi il y a des guardians là? Oh, c'est merde. J'ai pas très bien posé la zone en vrai. On va dire, sachant rien. Mais... Attends, mais c'est moi les creepers. Il... Ah, le creeper il invoque des loups et il chasse des squelettes. Oh, bon, on aura tout vu. On aura tout vu. Oh, des spikes. Bon, le bundle. Lève les mains. Par contre, ça spawn 0. Hein. En fait, t'as 15 mobs qui pop d'un coup. Après c'est ciao. Ouais, autour qu'il n'y en ait pas quand même mais... Ah putain mais il commence à faire jour. F. Bon, ça n'est plus besoin. Ça y est, je... Combien de TPS, hein? 15. Bah, parce que je pense, vu que j'ai pas mal exploré, ça garde pas mal de chunk en mémoire. Ce qui est normal. Faire un truc un peu plus cubique déjà. Même ça change pas grand chose. C'est con, j'ai déjà un spawn egg de Blitz en plus. La Blitz, j'ai pas. Oh putain! C'est mon pote. Hein. Oui, un illusionneur. Ah, c'est un icéologeur. Ah, mais c'est pas ce qui était censé apparaître. De base. Dans Minecraft. De freezing. Ok. Bah non. Vide. Bah plus qu'elle était dans le nadar en vrai. Ah, des meufs du vote concurrent du fantôme. Ok, ok. Ils ont voté pour le fantôme, les connards. Tu me diras, on va pas débattre, hein, mais bon, tous les votes, c'est un peu nul à chier, quoi. Oui, des poules ici. Mais non, c'est pas le fantôme, parce que le fantôme c'était vieux. Non, mais le fantôme, non, en plus, le fantôme à l'époque c'était pas genre, il y avait pas une sorte de T-Rex ou autre qui était concurrent au fantôme. Je sais plus. Ah non, parce que là, c'est le genre, ça me paraissait plus vieux que le fantôme, enfin plus récent que le fantôme quand même. Ah, c'est le genre, c'est avec Moobloom et Glowsquid. Hein. Ouais. Donc, avec les deux choix, c'était pas bon épée. Hein. Non, Glowsquid encore, c'est sympa. Hein. Pas grand chose, mais sympa. Un problème, toi? Alors, Ilium. Youp. Youp.
justement ils avaient profité des poules pour implémenter l'éclairage dynamique. Hein. Ouais, mais après du coup, ouais, le problème c'est que du coup t'es obligé d'avoir des shader hauts pour en profiter en fait. Quoi. Faut que ça rende vraiment beau quoi. Ben non, et je veux dire, je parle là que là du coup vu qu'ils l'ont pas implémenté, t'es obligé d'avoir soit genre Optifine ou autre, soit des shaders pour que ça rende beau et en profiter, ça je veux dire. C'est pas que si jamais ils l'avaient implémenté, t'es obligé d'avoir des trucs. Jusque là du coup tu peux les avoir vu qu'ils ont rien fait quoi. Mais t'inquiète, je cherche pas. Pareil en fait. Oh, ça m'a tout bougé là? Ah bah dégueulasse. Ah non, non. Il n'y a rien du tout de manière à la base dégueulasse. Et on va mettre ça là. On va mettre ça là. Une couille là, non? Ok. Et Dieu, autant d'iridium de cuit? Ouais. Ça c'est bon. Bah il nous manque que le basalte quoi. Faut voir si ça marche en ada ou pas. Hein. Pas longtemps que je suis en couleur, il était rouge avant, enfin avant il était rouge, maintenant il est bleu. Parce que voilà, là, il est rouge maintenant. Et là maintenant il est bleu. Est-ce que dans ce biome merdique ça marche? Pas doute, hein. Ça fait un peu un biome pacifiste quand même, je sais. Enfin, pas là-bas, mais c'est pas le même biome là-bas donc. Oh! Pas très pacifiste, toi! Aïe! Ouais, je pense qu'il faut que j'aille bien un Dazzle Belta ou autre pour espérer avoir un Basalts. J'ai vraiment souvenir qu'avant c'était dans les montagnes les Basalts. Hein. Bah, c'est bizarre. Après, peut-être que depuis, peut-être que c'est des souvenirs d'avant la refonte du Nether. Hein. Et que c'est vrai que depuis, j'en ai peut-être pas trop farmé des Basalts, quoi. Il est probable que ça vienne de là. Basalt Delta. Voilà. Voilà. Oh merde. Oh la loose. La glitch! J'ai dépassé par contre le biome, non? Alors... un peu en bordure par contre, mais bon. Tant que c'est dans le biome, on s'en fout. Bon, au pire, j'ai un œuf. Question, est-ce que le slicer de Create Marge? J'ai tenté en vain de lui mettre des couteaux pour auto la déco de poulet, mais impossible. Alors là. Je ne suis point un expert de Create. Hein.
En vrai, j'ai pas assez, je pense. Et ouais, ok, calme. Alors, data model. On va qu'on upgrade lui. Du coup, il va falloir Snowblock. Il me reste deux slots. Bref. On les oubliera après, de toute façon, on peut rester en vrai. Déjà, faut que j'ai installé ces 4 là, hein. Ces 4 guignols. Ils sont tous basiques là-dedans? Ouais. Ah, j'ai déjà eu 7 prédictions hein, de certains. Hein. C'est con, mais quand t'as 2 fois plus de TPS, forcément ça va 2 fois plus vite. Hein. Alors. Normalement, je les ai tous. Hein. Normalement. On verra bien s'il manque un truc, de toute façon. Pipipipim. Scorcha par contre j'en ai pas hein. Ah non j'ai rien en Scorcha. Comment tu faisais Scorcha déjà? Et même avec ça j'aurais pas assez. Oui chez Bazon il en a plein chez lui de la Scoria. C'est un bloc à la con on trouve dans certains biomes. Et Bazon il est installé dedans. J'ai eu taxé un peu de scoria. Upline hein. Il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que c'est après c'est de la cobble, je suis con. Mais attends, parce qu'il y a la scoria et la scoria truc. Ah, c'est pas la même en vrai. Ah, mais c'est de la soul sand qui cuit! Ah putain, mais c'est dans le nether en fait. Rien à voir, my bad. Hein. Je confonds avec l'autre scoria. Nevermind. Hop. Hein. Et ça vient pas, c'est les pilars. Ou ça va faire close en vrai si je mets ça. Après le problème c'est que ça j'ai l'élévateur devant. Ouais non non, tant pis c'est close. Ouf. Après tu me diras vu que j'en ai besoin que 14 j'aurais pu ne pas en mettre là et mettre à gauche à droite.
Et je suis pas à l'abri d'en avoir besoin dans le 15ème donc ça va être un peu greedy. Pense qu'on s'en fout du sens des pilars mais dans le doute, hein. Pas bien les poser en vrai. Encore que les aériaux ici? Ouais mais ça pose pas de problème. C'est pas de l'extraction C'est surtout pour configurer par rapport au channel en fait. Parce que vu qu'en gros chaque sortie va dans des loot fabricators en particulier L'extraction elle est genre à 8 items tous les 20 tics ici donc ça change rien, ça pose pas de problème. Je te dis hein, vraiment hier, chaque extract que je passais de 1 tick à 20 tics, je gagnais 0,5 TPS. Vraiment hein. Je suis allé là-bas là. Juste sur le nouveau setup qu'on a fait hier, j'ai gagné 4 TPS. C'est débile. Mais les setups comme ça, j'en ai détruit. J'ai retiré des setups où justement l'extraction était très faible et tout, ça a strictement rien changé. C'est vraiment quand c'est un tick que ça merde. Je pense après ça, je vais juste aller aux toilettes. Je vous mettrai la minute de pub en même temps, comme ça, moi vous l'aurez pas plus tard quand on jouera. Parfait. Je reviens vite fait, juste au chiotte, j'arrive. Je reviens. Rare. Après tu me diras ça qu'il y a quand même l'extract pour l'énergie en fait quelque part là-dedans là. Oh, c'est donc ça tique très rapidement hein. Ça dépend combien ça consomme. Bah là, je sors du déjà 100 000 à chaque fois. Pas combien ça consomme quand ça taffe.
J'ai envie de te dire que dalle, mais. Je crois que c'est 10 minerais pour deux prédictions, tu vois. Ou alors c'est 10 minerais fatigue, je sais pas. Mais vu que de toute façon les prédictions, hein, t'arrives pas en permanence parce que. Derrière, même si tu mets 2 de fabricator, c'est trop lent. Et la pep. C'est tout le type, qu'est-ce qu'il dit? Quel tout le type? Il écrit juste ça consume 10, 10 000. Fais des quoi déjà pour être transformé en complete? Vous voyez Matrix Soleil, hein. Je sais combien j'en ai. 23, oh bon. En dire suffisamment. Putain, mais ça que c'est pas stackable cette merde. Ok, mais j'aurais pu le faire à l'intérieur. Ouais, 10 000 par craft, c'est ridicule. C'est way the cool là. C'est vrai que j'ai plus de cartes, hein. Parce que j'ai paumé mon truc de cartes hier. Fuck it. Ah, t'as toutes tes cartes déjà. Mais bien, tu l'as perdu? Non, j'ai foutu la poubelle en fait hier. En fait, j'avais tellement de cartes que j'ai foutu tout mon inventaire à la poubelle et. C'est quand j'ai voulu régler justement les problèmes que j'avais de laser en cassant les trucs, que je me retrouvais avec 300 cartes dans l'inventaire et par terre et je pouvais plus. Hey. Hop. Bon, déjà, l'énergie s'est alimentée. Déjà, là, c'est cool. En vrai, je vais déjà setup les deux fabricateurs ici, je pense. Va faire tellement de nodes. Par contre, attends, ah, mais attends, mais le fabricateur, il va me falloir une chier de. D'automatiser, mais il va falloir une chier de frame en fait, d'accord, qu'on aille faire. S'il me faut genre 24 fabricateurs. Bref, hein. Une pelle pour la stone, hein. Évidemment. Fonctionne de mieux. Parce qu'il fonctionne de mieux. En vrai, là, vu qu'il y a quasiment un TP, ça devrait être plus rapide à faire ça. D'ailleurs, je me demandais en fait pourquoi il y avait les trucs de Blue Sky là. De Blue Sky. Ça là. En fait, c'est ma peur apparemment qu'elle est à sa base dans Blue Sky. Hein. Cherche la merde, hein. Cherche la merde, hein.
Après, je pourrais faire un autre fabricateur par machine sinon. Et ça ferait. Ça ferait que c'est plus long quoi. Mais d'un côté, en une nuit, c'est réglé donc. Peut-être faire ça en vrai. Ça fera moins de laser node, ça fera moins de lag. Ça fera moins de frames à crafter surtout. Et que pour le Gaïa ou je sais pas si. Y'a plus un truc que tu peux faire avec? Bon, en vrai, y'a que le Gaïa Spirit qui m'intéresse. Et dans une zone, y'a pas de problème de chargement, y'a pas de problème. Oui, non, mais c'est. C'est juste que Blue Sky fait quand même pas mal laguer pour rien quoi. En fait, c'est pas que ça fait laguer, mais c'est que ça prend pas mal de charge pour le serveur pour rien en fait. Ça spam en fait les logs, etc. de trucs qu'on continue quand t'as quelqu'un dedans. Et même quand t'as pas quelqu'un dedans d'ailleurs. Ça te spam des fonctions à la con en boucle. Ouais, il a dit qu'il avait rien mis là, ouais. Parce que je sais qu'il y a quasiment à chaque fois là qu'on est dans le. Il y a énormément de personnes qui se plaignaient justement de Blue Sky, comme quoi ça chargeait absolument pas et que ça foutait la merde. Hein. Ça, si, il l'a, mais il n'y a pas de spam, ouais. Chez nous, ça spam un truc missing en rapport avec l'usine d'un joueur qui n'existe pas. Je peux pas comprendre. Parce que tu sais, si les roues, ça fait perdre des FPS. Des FPS peut-être un petit peu. De TPS, honnêtement, Chicken se prend vraiment rien sur le serveur là, tu vois. Oh fuck. Après, tu perdras plus d'FPS avec genre les drawers ou autres dans lesquels tu vas stocker tes ressources, par exemple, de tes poulets que les poulets en eux-mêmes, quoi. Encore deux frames, hein. Passer la pluie en attendant. Hein. Peut-être lancer le craft quand même. Hop. C'est un 90 au même endroit où tu perds des FPS. Même pas, j'en ai 160 au même endroit. Rien dans ma salle en FPS. Hein. Avant que je range tout, il n'y a pas des mobs que je dois faire en doublon pour des ressources. Genre Creeper, il faut que les Catalyzing Land parce que j'ai poulet. Ouais, non, c'est bon. Dans tous les maps de base, en fait, j'aurais déjà les poulets pour leurs ressources de base. Donc bon. Déjà configurer ceux du bas avant de foutre la merde avec ceux du haut. Normal. En vrai, avant de les relier, j'aurais dû déconfigurer. Déjà, je suis trop con. Je sais pas si j'ai foutu un item, ça peut me foutre les bons trucs dedans.
Oh, c'est pas dérangeant. Hein. Donc là, on est sur la 4, c'est ça? Ça fait 5, 6, 7, 8, ok. Sur A7 là je crois. Oh, je le relis pas en dessous. On est sur la 8. Le gobelin il va vite se prendre un petit coup de cleaver. Pas 9. Pas 10. Normalement, tout alimente ton énergie. Sauf elle. Il est pas alimenté en énergie? Parce que j'ai tout mis en west, comme un con. Mis en west ici aussi. Une dinguerie. Ou alors, j'ai peut-être retourné avec un coup de run, je sais pas. Bizarre. La horde FPS par endroit étant en solo avec un bon PC, je sais pas si c'est à cause de quoi. Bah déjà vu si t'es en solo et pas sur un serveur, forcément ça sera plus un peu plus lourd pour ton PC. Après ça dépend de ton rendeur distance, ça dépend de plein de trucs aussi hein. J'ai un assez bon PC et là en termes d'FPS tu vois si je suis à plus de 60 je suis content quoi. Après en même temps si je suis à plus de 60 ça me sert à rien mais. Mais bon. Donc là je peux configurer le channel 2 en sortie. Franchement je le laisse comme ça, hein, même à 1 suffit amplement. Suffit amplement dans le sens où. De toute façon, ça va remplir plus vite que ça va ne sortir. Ah putain, mais après j'ai la sortie à gérer. F! Bon, c'est pas grave, j'ai accès encore, ça va. La sortie, de toute façon, c'est noir, je crois. Ouais, c'est le dernier. La voix du text-to-speech quoi. Le bon québécois un peu bizarre hein. Oh le step assist hein. Pas m'énerver hein. Putain mais ça me remonte alors que je bouge pas hein. C'est une dinguerie cette histoire. Ouais. Hop, on va y aller comme ça. Bon y'a pas de problème. Et merci du coup pour le resave hein. Pour le 9ème mois les baisses. C'est beaucoup. Attends merde hein. Okay. Ouais, je ferai une ligne droite là, je pense. Il laser. Par contre, là j'ai relié les 4 entre elles, mais elles sont pas reliées au réseau, je crois. Ouais. Hop.
Bon, le truc chiant des notes, c'est de les relier ensemble à chaque fois. Un peu la mort. Ça me manque Undario quand même. Là, c'est quand même un beau bordel, hein. Bon, on a la 2 là-bas, là, on va faire la 3 ici. Donc là, hop, hein. Oh, énergie et item. Tac, 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 tac. Ouais. On a la 4. Ouais. On a la 5. On a la 7. Un gruyère en dessous, hein. T'en as 8 ou on a 9 là? Ah, y a 9, je crois, non? Ah, on a 9. Ok, on va mettre à 10 ici. On a 11 et là on a 12. Crois qu'il y a une 13 à côté encore, ouais. Voilà. Quel merdier, Kiki? Mécano? Au moins ça va dans la bonne machine quoi. Après en vrai en les mettant un par un, en théorie ils vont tous aller dans les machines consécutives, mais bon. Théorie. Il y en a qui sont pas encore alimentés, bah c'est normal, il y a pas encore un truc. Donc ici on va vouloir ça, ici on va vouloir ça, ici on va vouloir ça. On a quasiment les prédictions pour upgrade les fantômes. Espagneur à peau. C'est quoi l'avantage de ces machines par rapport à une bonne bénéfice à un mob avec mob grinding utile plus spawner à prothèse? Ce que je suis en train de faire là, c'est que t'as un truc que tu peux même pas avoir avec le. Bah, déjà, faire une ferme à prothèse pour le Guardian, c'est un peu chiant, tu vois. C'est quand même beaucoup plus pratique en soi. T'as pas, en vrai, t'as pas tout le spawn des mobs, machin, les entités, etc. à gérer, tu vois. Faire des spawns à Cave Troll, quoi, ça va être un peu relou. Enfin, faire une ferme à Dragon Breath ou à Dragon X, un peu plus casse-couille aussi, tu vois. Donc en vrai ça dépend des mobs en fin de compte quoi. Jusque là ça me j'ai pas à gérer le. Pour tuer des monstres, t'as pas les monstres qui spawn, donc ça économise quand même après les performances pour le serveur en fait quoi. Ouais, y a que les pixie dust. Le problème des pixie dust c'est que tu peux pas le faire avec Cosmic Neural Network. Donc soit hein, tu fais une prod de mana perle, hein, qu'ensuite tu jettes dans le portail. Hein. Tu fais un spawner directement à Pixie quoi. Ça remplace avant les mob cage qu'on a dans Ragnar 6. Hein. C'est à peu près ça, ouais. Sauf que là en plus tu choisis vraiment le loot que tu veux en question, tu vois. Mob cage encore un peu différent quoi.
que le portail c'est bidon. Ah oui, non mais en vrai je pense qu'il y a un monde où je passe par le portail plutôt. De toute façon, il faut automatiser le mana diamond. Donc à côté, j'automatise le mana diamond, j'automatise les mana perdre. Et basta quoi. Après, sur Arena 6, il y avait Woot qui faisait la même chose. Ouais, ça peut s'apparenter peut-être un peu plus à Woot, mais même non, en vrai même pas, c'est encore un peu différent dans le fonctionnement. Pense que le portail travaille à la vitesse dans l'entonnoir, je sais pas quelle vitesse il travaille. J'ai des perles à disposition. Ça m'avait avancé pour l'automatiser le Living Wood en fait là. Mais est-ce que j'ai assez de bois? Hein, 1,3 million, on va le faire. Ça doit aller. Par contre, en vrai, attends, parce que du coup, comment je vais passer par ça? Enfin, en fait, la question que je me pose, ce que je veux dire, c'est que, enfin, je sais que je vais passer par les builders, etc. Mais juste en gros, faut que je lui dise que quand j'en ai, quand le drawer est full, ça se stoppe, quoi. C'est plus ça le truc. Alors, soit du coup, je passe plutôt par un pattern provider qui remplit mon builder. Et du coup, je passe par un requester. Un peu le merdier quand même. Soit j'en bats les couilles du Frostbite, de toute façon il consomme tout le Frostbite parce qu'il me sert à rien d'autre qu'à faire du Living Wood. Et que de toute façon, quand le deuxième builder en fait qui récupérera le bois, il sera full et qu'il pourra plus aider dans le drawer, l'autre ne pourra pas poser du bois à la place. Théorie. Le builder a pas cassé les fleurs hein. Bah, je pense que tu peux lui donner un filtre parce que tu te casses. De toute façon, avec le builder, par contre, tu pourrais avoir le même problème qu'Amel. Hein. Il a eu quoi ML comme ça aussi? En vrai, c'est une autre solution que le builder, moi je suis preneur. Hein. J'avoue que j'ai jamais utilisé le truc quoi. Enfin, j'ai jamais automatisé, je veux dire, le Living Wood ou le Living Rock. Donc, enfin, le Living Rock, de toute façon, on ira le chercher dans la dimension. Mais... Du coup, ça a demandé d'ailleurs qu'on fasse le truc pour aller dans la dimension. Pour la place, moi. Pour ma chaîne, c'est la chaîne Illation Plane. Hein. Des trucs de plate, ça non? Et avec ça, tu peux poser des blocs? Et on cassait? Mais alors, est-ce que ça prend un channel à chaque fois? Parce que si jamais je suis en faire par exemple ne serait-ce que autour d'une fleur, c'est-à-dire 8 par 8, hein, il est déjà un peu mou du cul. Hein. Ça me prend un channel à chaque truc, c'est chiant. Ça peut être enchanté, lol. Elle est pas quick, mais il y a un changement qu'ils ont fait, je vais plus la fermer. De toute façon, je vais le tester très rapidement, ouais. Faut des formations pour les deux? Info enfin, et formation et annihilation, ok. En soi, j'ai 4 fleurs dans 32 channels. Hein. Aïe 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 aïe. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Sphinx. Va consommer. Ah, ça consomme un channel. Ah, sa mère. Il m'en faut 16, ne serait-ce que pour une fleur du coup.
À un moment, il délire, il pose les bleus dans le voir de sa station spatiale. Le builder de ML, ah ouais? Ah, mais qu'il est dans la station spatiale aussi. Après, moi, je suis déjà dans le Warworld, donc bon. Comme dit. Je devrais être safe. Parce que le ring, il m'amène combien? Le ring, il m'amène 32, là. Le problème, c'est que j'ai déjà 10 de consommer, là. En soi, je peux faire qu'une fleur, quoi. Parce qu'après, est-ce qu'une ouais, une formation, je pense pas que ça puisse poser plusieurs blocs d'un coup, quoi. C'est quoi, la formation, c'est vraiment, tu lui donnes le bloc en question, elle te le pose, point barre. Hein. Et l'annihilation, tu lui donnes le bloc en question, elle te le casse, point barre, quoi. C'est-à-dire qu'en gros... Ah mais attends, tu peux pas filtrer? En tout? Non, même pas. Y a pas d'inventaire dedans, d'interface. Comment ça sait ce que ça doit prendre? Identity Annihilation Plane. Un câble, hein. Mais je sais qu'il faut un câble. Et là, je veux dire, il n'y a pas de câble, t'as accès. Il faut un câble, c'est sûr. Après, il faut peut-être qu'il soit alimenté pour y avoir accès. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a... pourquoi il y a une identity? Parce que s'il n'y a pas de filtre, c'est FF, hein. Forcément un filtre. Le doute m'habite. Il y a le branché, mais... Il faudra que je branche sur deux rings différents. Elles vont pas là-dessus? Moi, ouais. Ah, ça se branche que sur les côtés. Oh putain. Que j'aille où? On va dire là. Oh, il y a tout qui est cassé en dessous, oh, c'est banger. Banger. Je sais faire tout seul, alors de toute façon, on passerait par un builder. Allô? Ça risque d'être compliqué. Pour laisser le temps au bloc de se faire, quoi. Enfin, je veux dire, là, je mets un bois. Il n'y a plus le bois, quoi. En fait, ça marche bien, ça casse bien, hein, mais. J'aimerais bien pouvoir dire ce qu'il faut que ça casse, quoi. Bizarre que t'aies pas de filtre. Hein. Bah, ça se trouve, c'est juste un block breaker, hein, à la con, hein. Ça m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas de filtre, hein. Après, je peux toujours m'en ça. Il y avait un filtre avant, c'est sûr. Ah ouais? Parce qu'il y a un filtre pour poser des blocs. Mais ouais, le truc, c'est que si jamais c'est l'identity annihilation plate, justement, pour pouvoir filtrer le bazar, le problème, c'est qu'elle n'est pas craftable. Moi, bon, je veux bien, mais elle peut pas le crafter, ça.
Dans la formation plane, etc., tu vois, tu peux mettre plein de cartes et tout, mais en fait, tu peux pas le mettre dans l'annihilation plane. Hein. Relou. Après, est-ce qu'il faut l'enchanter? Non, 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 non. Pipi pip poum. Ouais, bah on pige. Hein. Ah! Pas fait ce que je voulais que ça fasse. Bah, je peux quand même passer par la formation plane et juste je passe par en dessous pour casser les blocs au pire. Bon, c'est pas mal comme tu es, mon truc. Par contre, en vrai, alors est-ce que je les mets au sol? Non, le problème, si je les mets au sol, c'est faut qu'ils soient en dessous sur les caves. Peut les mettre au sol comme ça. Voilà, juste faut que ce soit relié à un truc qui permet de ne recevoir que le type de bloc que tu veux, genre un bus de stockage sur un drawer. Ah mais du coup faudra un autre réseau quoi. Enfin ouais, je sais pas. On va faire un sous-système applied avec un seulement un stockage et bloc transfert pour faire le filtre. Oh. De toute façon, faire ça par sous-réseau, sinon ça va être compliqué. Mais en fait, là, on s'en fout, là. Ah oui, non, je voulais suivre. Oui, non. Vous pensez que si jamais ouais, c'est reliqué sur un drawer ou autre, ça ne pourrait pas, du coup, récupérer le truc? C'est ça, c'est GitHub, ils ont viré le filtre direct pour opter pour ça, ils rejettent l'ajout du filtre à nouveau depuis presque 8 ans, sérieux? Ah parce qu'en fait pour que ça puisse prendre le bloc en question que tu veux, faut vraiment qu'il puisse prendre que ça comme bloc et pas un autre quoi. Chiant quoi. Go full builder. Bon ça je peux poser avec les planes et puis builder avec un autre. Hein. Pas chier. Ah parce que pour poser ça me fait pas chier. Hein. Mais bon. Go full builder, hein, nick. Hein. Non, je voulais pouvoir des nouveaux trucs mais c'est de la merde, c'est de la merde. Hein. Je vais me faire chier avec les canaux. Ah non j'en ai 8 et j'en ai 32 à disposition. Je vais me faire chier avec les canaux. Je voulais faire qu'une fleur. Hein. Ah, j'avoue que j'en ai 4 à disposition maintenant, donc autant faire 4, mais. Il voit 4 égale 32 quand même. Oui, mais alors après, il y a 10 chaînes qui sont utilisées là. Hein. Pas suivi Botania, ouais, t'as pas suivi le live non plus parce que je l'ai dit à 5 minutes, mais. Aïe aïe. Je fais 8 builders du coup? Parce qu'on est d'accord que chaque builder il m'en faut un par fleur. Je peux pas donner un builder la zone entière comme ça, non? Est-ce que tu peux lui donner un rectangle au builder?
Quoi que si, en vrai, tu peux, en fait, tu con. Non, je suis matrixé par le setup qu'on avait fait là-haut, mais c'était, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Fleur flottante, t'as tué les empiles. Bon. Bon. Non, mais après, en rectangle, là, ça marche. Kéro. Alors, RF Tool. Donc il faut une shape card pour build. Ah, un code du ring. Ah bah non. Oui. Donc j'aurais pu entangler directement les trucs en fait en question, j'aurais pu entangler directement le drawer et directement entangler d'après le drawer en sortie, tu vois. Je demande ce qui se passe d'ailleurs si je mets le drawer qui est entanglé au-dessus, comme si c'était un inventaire pour alimenter mon builder. Ah bon, ça marche en fait. Et j'en plus sur mon drawer qui boule. Je suis exclué, je vais faire une sieste à 14h la bise. Large bonne sieste du coup. Moi je récupère ça là-dedans. Par contre, du coup, en vrai, pour qu'il enregistre ce qu'il doit faire, faut déjà que les blocs soient posés, on est d'accord? Normalement, j'ai une minute. Oh. La carte, tu veux juste la zone? Mais il aura la zone quand même et les blocs. Oh, pas chier. Ouais, le bouger. Je veux pas le tag en fait, je veux le truc directement. Pourquoi il met autant de boîtes différentes là? On fume la moquette. Ah putain, mais est-ce que j'ai fait un chien et je clic? Ah, FF, attends. Ouais. En fait, tu fais un clic gauche tout court pour mettre que l'item, et si tu fais un shift clic gauche, ça te met tous les tags de l'item. Moins intuitif d'ailleurs, mais. Du coup, le deuxième, il me faut un fil pour casser, c'est ça? Il faut que j'ai un levier en permanence pour que ça run en permanence. Et je capiche. Non? Pas besoin? Pas besoin. On ignore? Ouais. En vrai, attends, mais lui, je peux directement lui mettre ça en fait. Ce sera le directement droit contrôleur. Je rajoute un drawer du coup à cette merde. On va le lock là-bas.
Voilà. C'est bon? Ok, j'ai vu écrit 49 000, je suis merde. Oupti! On clique à bon endroit. Donc là normalement, donc lui il a la carte pour la zone. Ah bah lui il a pas la carte pour la zone pour l'instant. Mais lui en tout cas, en vrai déjà, si je fais ça, en théorie de rebuild. Et de l'énergie bien évidemment. J'ai envie de tester que ça marche. On va le mettre juste ici, après je mettrai entre les deux, mais. Hello? Il est complètement con le bug. C'est quoi là? C'est pourquoi te mettre un filtre? Pour le filtre, il faut que je mette dans la carte? Mon con le truc. Peut-être mon con le garçon là. Oui mais. Alors je veux bien que dans Drawer il y a des sticks et des saplings, mais problème apparemment. Ah non, là. Nyam 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 nyam. Y'a quoi des putains de sapling? C'est de la bite! Passe par Applied et exporte le bois? Non, parce que j'aurais pas cette channel. Non, mais c'est de la merde. Non, mais sinon, il faudrait que j'ai un drawer avec que le bois en fait, du coup, mais ça me fait chier. Ça me ferait chier. Mais on va faire ça, je pense. Mes souvenirs, le filtre fonctionne juste avec le cassage, pas avec le posage. C'est tout à fait possible, je pense. Essaye de virer la terre dessous. Ah, s'il n'y a pas de dirt en dessous, les saplings pourront pas se poser. C'est pas con le bug. Faire gaffe au milieu, mais j'avais perdu une fleur là. Moi j'étais mort. Et où ma fleur? Alors. La vraie technique de roublard quand même. Hein. On a tout vu. Hein.
t'intéresse d'avoir un drawer avec le bois? Si, si, parce que du coup, le botany pot se videra plus dedans en fait. Donc après, faut que je mette à la poubelle en fait les saplings et le truc quoi. Ça me demande de modifier un petit peu le truc, mais non, mais c'est bon, on a trouvé la solution. Tu fous pas de dirt, les saplings peuvent pas se poser donc réglé. Faut une clearing query, je crois, non? Si je mets une query tout court, ça me fout de la dirt, hein. Le bug. Hey, pipi, oui. C'est pas un truc, frérot, là. Là, y a un truc devant toi, là. Bah oui, il minimise la zone autour de lui. Ce con, il enregistre les coordonnées, non pas par rapport à la zone que tu sélectionnes. Tu peux pas clear? Ah oui, il y a une zone 3x3 de protection. Pour build, il n'y a pas de soucis, mais par contre, pour casser, c'est chiant. Oh, c'est rapide, hein, par contre. Hein. T'as pas le temps de voir le truc se faire. M'en manque une. Faut beaucoup de ça? Ou du coup c'est une par fleur? Parfleur, ok. Hop. Est-ce qu'il n'y a pas de péter les saplings grâce au bois? Non. Ah, parce qu'en fait, le fil, comme dit, apparemment, il serait que sur le truc de cassage et pas sur le truc pour poser le bloc. Alors du coup c'est quoi? C'est sur le bloc du dessous faut que je mette? Ça directement sur la fleur. Putain mais vu que c'est pas de la grâce à côté ça marchera pas. Hein. Envie est capote. Sert à quoi les œuvres grosses? Bon, comme le nom l'indique. Ah mais putain, je suis con. Excuse-moi. Ah, augmenter la croissance en fait. Du coup, bah là en question, enfin pour... Enfin, en gros, ça augmente, ça booste la flore qui est au-dessus quoi. Ce qui fait que le Living Rock va se faire un Living Wood au sort plus rapidement. Donc c'est cool. Y'a trop d'assistants à regarder en vrai. Dès que t'as un bois qui se fait transformer, c'est pouf. Et du coup, on peut même faire genre setup pour vrai, par exemple pour les Metamorphic Stone ou genre de trucs, tu vois. C'est bon à savoir pour les prochains packs en vrai, ça. Parce qu'en fait, du coup, tu peux très bien te faire une automatisation de minerai avec ça en fait. Où tu poses de la stone. Et où derrière, tu mets un builder qui blacklist la stone. Juste là, à la place en fait
Des pure daisy, tu te mets une... Je sais plus comment ça s'appelle l'autre, une orchidée là. Et tu peux faire une bien plus grande zone aussi. Est-ce qu'Amel a fait? L'orchidée, ouais. Non, mais même sur des modpacks où du coup t'as pas forcément beaucoup de mods, hein, tu vois. Bon, faut déjà y arriver tout quand même, mais. Et Botania, du coup. Mais ça peut être une alternative en fait, un peu à des générations quoi. Ça peut permettre de changer un petit peu, ça peut être sympa en vrai. Perso, j'ai rien compris Botania. Bon, Botania c'est très simple. Hein. C'est t'as des fleurs qui génèrent du mana et tu utilises ce mana là pour faire des trucs. Et globalement, c'est. En fait, t'as des. De toute façon, en plus, c'est super bien indiqué dans le bouquin. T'as deux types de fleurs, t'as les fleurs de génération de mana comme on dit. Tu peux générer du mana avec de l'eau, avec de l'expérience, avec des explosions, avec des Nether Stars, avec des gâteaux, avec plein de trucs. C'est débile, hein. Tout ça permet en fait de générer du mana, du coup de différentes façons. Et t'as aussi des fleurs après qui sont en fait les fleurs qui sont utilitaires, on va dire en fait. T'as des fleurs qui vont faire office de hopper, t'as des fleurs qui du coup vont transformer des minerais, enfin de la stone en minerais, d'autres qui vont transformer de la stone en stone un peu spéciale selon les différents biomes, etc. etc. T'as plein de fonctionnalités différentes. Et après, bah, ton mana, tu le stockes dans des mana pools. Et tu le réutilises derrière, soit dans le ruine Kaltar pour faire des runes, soit sur ton mana infuseur ou ta terrestrial agglomeration plate. Si jamais t'as pas Minty Botany. Pour pouvoir y faire d'autres crafts, etc. Et en vrai, c'est vraiment assez simple. Hein. T'as le bouquin qui explique bien les trucs aussi, donc. Mais de base, tu commences au début par faire du floral fertilizer pour faire pousser tes fleurs de Botania. Ils vont te donner après les pétales hein, et du coup de différentes couleurs pour pouvoir faire les différents crafts. Pour pouvoir commencer à faire après ta pure daisy, pour pouvoir commencer à faire ton living wood et ton living block. Et après, grâce à ça, tu vas faire tes mana spreader et tes mana pool pour rediriger le mana et puis le stocker. Tu vois, mieux t'avances pas. C'est vraiment pas très complexe, Botania. Là, sur mon modpack, j'ai les quêtes, mais pas pour Botania, donc je dois comprendre avec le guide. Ouais, bah après, comme dit, hein, le bouquin en vrai, c'est ok. Et puis après, de toute façon, t'as tellement en vrai. Il y a tellement de vidéos ou de wikis ou de trucs sur internet aussi qui expliquent les choses maintenant. À l'époque, là, quand j'avais commencé le modé, il y a 10-12 ans, t'avais rien, hein. T'avais pas de bouquin en jeu, t'avais que dalle. Ce truc que t'avais, c'était des pauvres wikis sur internet, des petits trucs à gauche à droite, ou vite fait 2-3 vidéos YouTube, et tu devais te démerder avec ça quoi. Puis 95% des trucs, t'avais la réponse sur internet en fait. Enfin, tu devais aller chercher la réponse sur internet plutôt. Parce que même les crafts en fait dans JU et tout étaient pas marqués. Plein de modes. Hein. Pourquoi s'est fait timeout, Nastoy? Ah! À cause de son que j'ai pas eu. Bon, ça c'est automatisé. Du coup, ça dégage. Bon, en vrai, quitte à être dans Botania, en raison Botania. Pour automatiser. Juste aller voir là, les mobs si jamais il y en a pas que je peux upgrade. Hein. Puis on va rester dans Botania pour automatiser les trucs là pour l'instant. Donc à faire. Hein. D'ailleurs, il faudra que j'ajoute les drawers du coup, les trucs que j'ai rajoutés ici. Les deux ils ont la même couleur quoi. Alors donc là c'est quoi? C'est fantôme? Fantôme. Fantôme ça va te voir je pense. Ouais. Auto la pixie, bah faut l'auto mana diamond aussi. Faut l'auto les deux. Je crois que c'est ce truc après qu'il faut faire. Le Living Rock, on ira en chercher dans Alfheim. Living Wood, on vient de le faire. Half Steel, il y a le poulet. Et du coup, faire Mana Diamond et Pixie. Oh. Alors. Alors. On va se mettre sur lesquels de bonne à poule. On va se mettre sur les deux là, je pense. Réfléchir, c'est comment je vais faire en fait.
Ça, je fous juste un truc avec un timer et ça drop dessus. Et je récupère à côté. Mais c'est qu'une fois que mon brewer est full, Kezako. Alors, faudrait mettre une void dans mon brewer, mais bon, un peu chiant. J'ai droppé avec quoi là-haut là? C'était un factory dropper, je crois, un truc comme ça. Si, là, ouais. Oui, Pixie, le portail qui a l'air d'être scellé dans l'entonnoir, je dirais que tu poses en entanglette des perles sur un entonnoir qui pointe sur une open crate au-dessus d'une poule, puis un item collector sur une autre open crate qui va dans le portail. Un gros bruit. Ah mais déjà il y a un problème, j'ai pas de poulet d'Enderman. Du coup j'ai pas d'Enderperm en fait. Je vais régler ce problème. Et comme ça après j'entanglais le. Je mettrai un drawer simple, je mettrai pas un drawer qui est compact. Comme ça j'aurai que les diamond pearls, enfin les ender pearls. Pour entangler ça directement là-dessus et ça sortira là-dedans. Après, en vrai, je peux foutre une autre mana pool ici, hein. Je peux mettre une autre flux mana pool par là, hein. Bon, on s'en fout d'où d'ailleurs en soi, mais. Parce qu'après, l'item collector, faut quand même qu'il ait la range pour récupérer le truc. Ouais, mais si tu fais méthode de half, oui, non, mais justement, je vais éviter de faire ça. Je vais flemme de faire le spawner. Justement pour éviter de faire cette méthode là que je vais faire ça en Alors... Mixamir. Viens les poulets. Mettre ça là-dedans. Mettre 128 quand même, même si ça va être un peu la galère. Il me faut le poulet d'Enderman quand même directement là. Bon ouais ça va. Doudoudidoudou. Je perds 20 TPS là, je sais pas, j'ai combien là. Ah, oh, je suis à 16, ok. Alors, Intigratide. Yum, yum, yum. Pas de neuf au début du stream. Si, mais au début du stream, il n'y a pas ma peur. Tu fais grève le boulet pour pas en faire? Sur la faute à ma peur, évidemment. Évidemment. On m'en repère les okéros. Du coup, je l'entends là dans moi. Ah, c'est vrai qu'il fait 48 perles d'un coup, quand même, malgré le fait que ce soit stackable que par 16. Donc, oui, il lui faut tous les slots de libre en fait. Il lui en faut au moins 3, quoi. Bien vu.
Bien vu, bien vu. Parce qu'en fait, avec la Spark, du coup, je peux pas mettre la crate dessus. Après, je peux dire la Spark en ce sens. Moi, je peux quand même mettre la crate par-dessus la Spark. Poupi poupi. Faut un trou entre. Entre qui? Entre quoi? Qui dit? Un bloc d'espace entre la poule et la crête? Ouais. Oh ouais. Tu me diras maintenant le leading mode, c'est plus trop le problème. Alors par contre du coup comment ça marche pour foutre la crate face au merdier là? Tapis, merci. Ouais parce que c'est pas multidirectionnel cette merde. C'est pas rentable non. Du coup ça drop là-dessus, ça passe à travers et là je récupère l'item là. Moi je prends des glaces comme ça top. Je sais pas si ça a droppé là non plus comme ça. Du laisser en vrai. Team, outil tout, team collector. Et plus. Alors. Là, il va en falloir un que je filtre, bien évidemment. Par l'ouest là. Et le coordonnée qui bouge par là. C'est le X, faut que je le baisse. Non, faut que je le monte. Ah oui, c'est clair. Trop con, hein. La crête d'up tout droit comme un dispenser, ça va tout droit. C'est piou. Mais c'est pas Y full. Pour être sûr que ça aille tout autour du portail. Hein. C'est parti, on m'appelle bordel de cul! Pour la finir, elle a fini qui part. C'est qui me l'absorbe, bordel de merde. Ah putain, mais je suis con, mais c'est lui qui me l'absorbe. Par contre, il a pas l'air d'avoir réussi à la. C'est beau que là, c'est passé. Il a pas l'air d'avoir réussi à la mettre sur la crête. Dans la crête directement, peut-être que je vais me mettre dans un, justement un hopper ou autre. Hein. En fait, il était gardé en stock. Hein. Parce que là, imaginons qu'il y a ça qui drop. Hein. Sais pas, attends. On a déjà foutu le drawer à cette merde. Hein.
Parce que là, en théorie, les endopales qui vont là. Ça drop. Et dès que ça se fait transformer, c'est censé se faire aspirer et finir là. Ça drop pas cette conne. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ah putain, la crate elle est. Ah oui, en fait, t'as la crate à peine. Ouais, ok. Ah, c'est de la merde du coup. Enfin, en fait, ce qu'il faut du coup. Ouais, mais je peux pas en fait. Ocre. Poste. Attends, là il y a un démagnétiseur donc ça meurt. Il restera dans cette ligne de mort. On peut me diminuer ça, on s'en fout. Oh, bon, et du coup, en théorie, il va dropper là-dedans. Ok. Ah mais du coup faut que j'aille re-entangler de mon Brewer Underpearl hein. Walk! Par contre j'ai rien pour limiter le truc quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on Brewer est full, par contre je suis niqué quoi. Que je vais avoir des items qui vont être chiants en permanence ici en fait. Hein. À moins d'avoir un comparateur à côté, un truc qui en fait, il faudrait que j'ai un compa... en fait, il faudrait que j'entangle de mon drawer limite, hein, que je le comparateur ou je détecte en gros quand il est full et que ça bloque mon hopper ici quoi. C'est dangereux. Je sais pas si c'est faisable, mais hier, ça me dit, on a vu que 100 000 items, ça fait perdre que 7 TPS. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a foutu? Oh, il kiffe pas quand tu fais une modif sur le setup, hein. Et donc là, il faut que je mette l'item en question. Rien, ça. Ah, correct. Stock combien mes drawers? 396 et 13 bins je crois, comme ça. Ça va être un pôle avant. En tout cas ça a l'air de marcher. Parce qu'on voit de temps en temps se former les pixies et sont aspirés directement donc.
J'aime bien fait Applied, hein. Ça dépend quand. Mais oui. D'ailleurs, ça nous a bien pêché avec les Annihilation Plane, mais au final, bon, Club Builder, c'est quand même plus simple. C'est quand même plus simple. Oh bah, ça tombe bien ça. En vrai, faut que je fasse la même pour le Mana Diamond. On va se mettre en face. Par contre, Mana Diamond, le problème, c'est qu'il faut que je sorte que le démon, quoi. Donc, soit je mets un câble. Hein. Qui se bloque à la redstone et qui me prend que le diamant. Oups. Pas un tonnoir de pneumatic craft que tu peux filtrer? Ah là? Non, c'est pas pneumatic craft ça. C'est pas pneumatic craft ça, toujours pas. C'est pas non plus. Ah, c'est pneumatic craft, mais je sais pas si tu peux le filtrer celui-là. Sinon. Y'a ça! Finger ça! Alors par contre, du coup, il faudra que je mette des diamants dans chaque set. Il y a quand même un bloqueur. Je vais virer mon diamond là, je pense pas là. Pardon. Oui, Y1, mais... Y1, je sais même pas en vrai, parce que l'item qui... Y1, ça va être au-dessus de la poule en fait. Dans le doute. Ça coûte rien que je mette 1 ou 2. Celui qui item peut tomber à côté après, hein, je sais pas. Ah, c'est 1 au-dessus, en dessous. Ah. Ah oui, ok, ah oui, ok. Je vous vois. Oui, c'est pas la position exacte, quoi. Pili pili poup pi poup. Le bloc en redstone, ça? C'est quoi le signal d'ailleurs? Le signal c'est que si jamais c'est éteint ça marche, mais si jamais c'est allumé c'est la merde, c'est ça? L'eau c'est comment c'est dans le matinier, ok. Et yep! On va le build à l'envers, comme ça bloquera pas. Hop! À part là.
Ouais, je suis content parce qu'on fait des setups qu'on a encore jamais fait. Enfin, on fait des manières automatisées ou autres par lesquelles on a encore jamais passé. C'est cool. Genre les trucs level limiter ou quoi, j'ai jamais utilisé. J'avais pas connaissance en plus de Sopper, de Pneumatic Craft, etc. Donc c'est chouette. Hein. Voilà. On a les deux setups. De fait. Bon bah c'est une bonne chose. Mana Diamond, Pixie, ça dégage. J'allais voir les mobs, ils en sont. D'ailleurs, la raison pour laquelle je disais que je savais plus si les planes prenaient un canal ou pas, c'est parce qu'avant les level limiteurs en prenaient mais plus maintenant. Ok, ok. Ouais, c'est cool qu'ils s'en prennent plus en vrai, parce que c'est vrai que pour une petite merdouille comme ça, ça ferait un peu chier que ça en prenne quoi. Ouais, c'est compréhensible, hein, mais c'est un peu chier quoi. Twilight? Twilight. Tu-tu-du. Ça fait combien? Ok. Et Basal Zeblis, on a fait que 11 et 7. Hein. Pas beaucoup. Hein. Fantôme, en soi, on est déjà à 25, on est quasiment à 32, donc c'est cool. Et les creepers, etc., c'est des vieux trucs, ça. Faut que je viens, ouais. Tu pourrais déjà rajouter les 4 drawers ici. Alors, upgrade. Bon, on va quand même les mettre comme ça. Même si t'as deux Gaia ou autre, pas même pour Singularity, déjà si j'en ai 400 000, ce sera déjà bien. Ce sera déjà amplement suffisant. Pas plus beaucoup de place là d'ailleurs. Bon, ouais, c'est con, on va se côté le mur de gauche. Hein. Ça quitte, hein. Y'aura pas que des minerais à gauche. Hein. Ah. Y'aura pas que des minerais. Hein. Là, je vais laisser les compacting et tout. C'est fine. Commençons à en faire des ressources là. Hein. Commençons à en faire des ressources. Commence à être pas trop mal. 25 millions de gold d'iron d'ailleurs. Ça c'est les trucs qu'on a mis en place hier là. Et bah en fait ça tout ça on a mis en place hier, y'a que celui-là qui est pas encore full. Je sais pas pourquoi il est pas encore full d'ailleurs. Il se fait avec quoi lui? Pourtant il se fait avec des ressources qu'on a. Hein. Juste que vu qu'il y a peut-être plus de ressources que les autres à cheminer, c'est plus long. Puis vu que j'ai nerf depuis hier soir aussi la rentrée des items, etc. C'est compréhensible que ce soit plus long. Normal. Après tout le reste, les autres singularités et tout. Les wheels, regardez, on est déjà à 200 000. Ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Les trucs des Vidcraft, bah, y en a un qui est full et puis les autres ils sont tranquillement. La Dark Power Gem, c'est celle qu'il faudrait que j'upgrade le plus du coup. Après en vrai, une fois qu'il y en aura un des autres qui sera fini, je transférerai les upgrades dessus. Hein. C'est vrai que pour l'instant on en a fait que 20 000 en une journée quoi. Peut-être rajouter quelques speed upgrades et. On peut aller faire ça en vrai, hein. On peut se rajouter quelques upgrades après là je pense. T'as fini tes missions de LoL de l'année des dragons, donc tu vas retourner un peu sur Zelda. Bravo. Living Wound, on a déjà 2000. Cool. Pixie Dust, on a déjà 1400. Trop bien.
Trop bien, trop bien, trop bien. Non, ça ferme bien, la singularité, c'est assez cool. En vrai, Pixel Dust et Mana Diamond, là, ça va aller très très vite, hein. Dans 2-3 jours, c'est finito. D'ailleurs, le glycérol qui est pas là-bas, il en est où, lui? 1 million. Ouf. À la marge. On a de la marge. N'empêche que et depuis qu'on a mis les créatifs botany pot, pour le courrier et tout, ça a quand même bien farm. Hein. D'ailleurs, on n'a vraiment plus besoin maintenant. Ouais. Parce qu'on a déjà fini au final ce qu'on avait à faire avec. Hein. Donc bon, j'ai dit que je voulais aller upgrade les trucs. Light look, look, look. Ah, attends, déjà avant d'upgrade des trucs, faut que j'aille configurer les notes derrière aussi. Parce que j'ai pas fait l'extraction du coup. Du coup, j'ai quoi? J'ai 7 notes là, les 3 en dessous. La vitesse là suffira. Parfait. Hier matin, ma dernière arme avant de me coucher, j'ai eu Skarner. Je connais pas et j'ai rien de mieux à dispo, donc je roll, il me fait le Draven, nope. Donc je roll, il te fait le Lily. Bon bah je reprends Skarner, c'est un tank, donc c'est débile, tu bulles le tank, tu fonces un peu dans le tas, ça marche pas trop mal. Les tanks en arme, c'est vraiment con. On avait fait une arme l'autre jour avec Jimmy et tout, je sais plus, en face t'avais un Sion à 6000 HP, t'avais un Malphite, etc. Qu'est-ce que tu veux jouer quoi? Qu'est-ce que tu veux jouer? Je sais plus quel perso de merde j'avais moi. Blam 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 blam. Bon, ça c'est fait. Alors, comment on fait les upgrades là déjà? C'était des promises. Et c'est Velocity et Productivity. C'est surtout Velocity qu'il me faut, hein. C'est Productivity, j'en bats les couilles, j'ai du sang à disposition. Ah, mais je peux en faire encore plein? C'est quoi des conneries? Ok. Ah, c'est juste que c'était long en fait à faire hier, c'est pour ça que j'en avais pas mis plus quoi. Bon, je vais déjà les mettre ça hein. Ah putain, mais non, c'est pas Productivity qu'il me faut, c'est Velocity. Oh le con, j'ai pas crafté des bons. FF. Bon, c'est pas grave. Ça réduit la consommation de sang, c'est pas la mort. Mais... Eh, t'as ça, tu peux en mettre que 4. Ouais. Bah, du coup, en vrai, je mettrais 8 de speed, je pense. Et bon, c'est celle qui a le plus de upgrade, qui met le plus de temps quand même à faire les trucs. En même temps, c'est celle qui prend le plus de temps de base, hein, donc même si elle a plus de upgrade, compréhensible qu'elle reste quand même lente. Hein. Bon, Time Bottle qui est quand même bien remonté, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça, j'en ai plus besoin. Alors là, il fait sens, ça galère ici, mais c'est pourquoi? C'est parce que j'ai le nerf l'extraction. C'est pas une question de nerf extraction, c'est une question que je n'ai plus de life essence en fait. Je pense. Ouais, c'est juste que j'ai pas de life essence. Par contre, alors du coup, si j'ai pas de life essence, il y a un monde. Où ça m'injecte du sang dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un monde où il y a peut-être du sang qui part là-dedans au lieu de partir ici. On verra bien. Ah non, j'ai lock le drawer, je crois. Non, bah si le drawer est lock, c'est bon. Je suis con. Oui, il est lock. Tant pour moi. Non, non, c'est good. C'est vrai qu'il y a ça. Il y a ça, il y a ça. Trop habitué à passer par des tanks ou trucs comme ça où tu peux aller lock. Hein. Le problème c'est du coup en fait pour que ça aille plus vite il faudrait que j'upgrade ça. Soit je remette des Blood Diadon. Blood Diadon encore ça va. Mais le truc c'est qu'il faut que je refasse la façon des Witch donc j'en ai plus. La Devilcraft il a perdu la lock hein. Mais peut-être pas lock non. On va quand même le lock au cas où. Parce qu'il avait tellement d'avance que voilà. Mais il faudrait que je remette des Diadon. Les Diadon de speed c'est trop chiant parce qu'ils sont trop lourds à faire. Du coup faut tuer cet esprit à chaque fois de vengeance là. Urge. Ah je peux quand même remettre plus du coup. C'est cool ça. Bon là on va déjà compléter les slots. Après on va full bourrer ici je pense.
Celle-là est peut-être encore quand même bien plus rapide que les autres. Hein. Et ces deux-là ont l'air d'être à peu près aussi rapides maintenant. Néoplastique, ça remonte ou pas hein? Ouais, depuis que c'est recablé, c'est bon quoi. C'est vraiment bizarre cette histoire. C'est même la Rosine d'ailleurs. Faudra qu'on est quasiment full. On est déjà à 300K. Donc ça a bien prod, hein. Je suis content. Et niveau oxygène, etc. Hydrogène et carbone, on est bien, on a de la marge. Hydrogène qui part un peu quand même. Il part assez vite. Honnêtement, ça va. C'est quoi ces zombards ça? On va faire zombard. Zombard c'est encore là parce que c'est que le tir 1. Hop. Hop. Et où le fantôme? T'as le fantôme? Bah sans tout le reste on les finira demain. Il y aura assez de prédictions pour monter de tir max chaque truc. Ensuite on viendra mettre ces deux-là. Hein. Et comme ça, moi, ça me fera déjà 6 nouveaux trucs à aller poser là-dedans. Moi, au total, du coup, il m'en reste 8 à compléter, c'est ça? Ouais, 4 et 4. Okidoki. Ah ouais, Molten Core, je peux leur tirer du coup les fêtes. Du Loose Earth, c'est fait. Catalyzing Gland, c'est fait. Faudrait que j'aille préparer. Faudrait que j'aille préparer FTB là. Y a une 5e d'antimatière? Non. Ah, vous avez quoi être matrixé par l'antimatière Y a pas de 5e d'antimatière, non. Et tant mieux. Ça m'a fait penser, attends, niveau polonium, on a nous. Non, c'est pas les singuliers d'antimatière, c'est. Après, ces trucs que tu peux voir, c'est des trucs de matter, ça en fait. J'ai écrit aggloméré de matter, mais c'est pas des trucs d'antimatière. Hein. Bon, statut jusqu'après, t'as peut-être. Ouais. Non, le, ah oui, non, le antimatière, si, il y a une singularité antimatière, mais c'est pas la antimatière en question que tu penses. Pour les mains bien. Et t'as des vestes qui demandent une demi-heure, ouais. Ouais, t'as pas vu le message des bestes là. Mais oui, c'est juste que ça peut prêter à confusion, mais c'est pas l'antimatière de mécanisme en gros. Ça veut dire. J'ai l'antimatière pour ça. Ah, FF, hein. Coldos, c'est pas automatisé? Comment ça, mon ref? Pocheur, il y a de la place encore? Sa mère! Ah, mais pulvériseur, ça fait pas de la cold dust. Ah, c'est les couilles. Ah, si. Ok, bon, s'il y aura pulvériseur, quoi. Nique, hein.
Ça, on verra après la quantité qu'il y a si je le fais à la main ou pas. Justement, il y a le craft. Ça, pareil, je ferai à la main. Elle a donné un petit ordre, il y a des trucs à faire ou pas. Commencer à remplir un peu les bazars à gauche, à droite là. Bon, c'est sûr, c'est que l'antimatière, je l'ai pas. L'idée, mon circuit, c'est Photocraft? Non, c'est genre à disposition. Il me faut un poulet de tin déjà, enfin un poulet de lead. Peut-être un petit moment que j'aurais dû le faire. Ce soir, bon. Il me faut des carbon plates aussi, compressé de coal ball, ça je peux en faire. Il peut faire quelques maîtrises, t'as pas vu? Ah ouais? Pépépé. Attends, les carbon plates qu'il me faut, c'est quoi? Ok, c'est juste des cold dust. Trop bien. Y'a un poulet pour le polonium? Alors y'a pas de poulet de polonium mais le poulet j'ai même pas fait encore, faut dire. Mais le poulet il est un peu ridicule quoi. Y'a un poulet, j'ai question, non, y'a juste un poulet de DK hein, qui fait du nuclear waste, mais c'est pas du polonium. Mais ça va bien qu'on était tout à l'heure. En fait, parce que quoi, c'est quand Spotify était cassé, ça a complètement reset le truc de la tour. Mon pétéro. Bientôt qu'on forme des saouls d'ailleurs. Pas bientôt. Encore temps de poulet faire, hein. La marche. Hop! Perfecto! Allez, parti pour niquer la time bottle. Oula. Faut que je fasse gaffe quand je spam comme ça parce que si un jour je m'explique sur U256 déjà que je tremble un peu là quand c'est 128 hein. Alors 256 c'est bon hein. Je quitte hein. Ah pourquoi tu faut autant de croisements?
Mais y'a plus de TPS que tout à l'heure ou c'est quoi là? On était à 16 tout à l'heure quand on faisait ça là. Ah y'a plus hein, je vous le jure. C'est fait giga rapidement. On est à 16, ok. C'est mon cerveau qui est plus long de tout à l'heure là. C'est la fatigue. Alors, Drawer, on va falloir 4. Y'a pas de stone. J'ai même pas automatisé la stone. Ouais. Faut ramener tout ça. J'ai fatigue dû au fait de devoir répondre aux questions connes. Ouais. Fait, chaque fois, je lis un de vos messages. Ça me rallonge de 1 minute mon sommeil pour la prochaine nuit, quoi. Mon sommeil nécessaire. Du coup, si je live trop longtemps, après, faut que je dorme 15 h, donc c'est chiant, quoi. Pipi-dipi. Tchoup. Bon, ça on fout le bois de Nazorite, je cherche pas à comprendre. Par contre, Void aussi. Miaou. J'ai envie de streamer, ouais. Non mais tu rigoles, mais je suis plus fatigué en vrai mentalement après 3 heures de stream parfois que à bosser 13 heures une journée, tu vois, genre no joke. On va aller faire un truc à un congrès ou un machin quoi à 6 heures du mat, tu vois, jusqu'à 20 heures. Serais plus fatigué après un stream quand même. Je suis assez drôle. C'est droit. C'est droit. Ah putain, oui, le lingot, merde. Ah, Samir! Mais genre la dernière fois je sais plus, on avait bossé de... Ouais, on était arrivé vers 14 h. T'es rentré à 3 h du mat, tu vois. Ouais, j'étais en pleine forme. Alors est-ce que après c'est le fait de devoir toujours te concentrer à qu'est-ce que tu vas dire, etc. Pas vouloir déraper, pas machin et tout, je sais pas. Et qu'inconsciemment ça te fatigue quand même. Hein. Après je pense aussi, pour le coup je suis plus fatigué aussi après 3-4 heures de stream solo que après 7-8 heures de stream à plusieurs en vocal, tu vois. Bon ça c'est lock, c'est bon. Autant faire la même connerie. Alors, intégratide. Hop. Ah bah ça, parce que sinon on n'aura pas les lingots cuits, ce serait dommage. On a que le roll. Alors attends, du coup la carbon dust là c'était pour quoi? C'était pour ça, ça, ça. Et du coup faut qu'au début je le... En gros faut que je fasse des fibres. Et qu'ensuite ces fibres je les transforme en fiber mesh. Et ensuite ça part au compresseur.
compresseur ça? Ouais. Enfin, ça a tourné. Ça a tourné tranquillou de toute façon. Hein. Là, je reviens demain, déjà j'aurai un full coff de ces merdes là. Hein. Comme ça, on commencera tranquillou après. Il y a les singularités de ça d'ailleurs, de toute façon, il faut l'automatiser plus correctement, mais on va surtout du coup attendre d'avoir une meilleure énergie. Après, le problème, c'est qu'il faudra derrière que je convertisse tout ça. Ou alors fuck it et je brille toutes mes machines. Il y a beaucoup d'Imagine Dragon, c'est moi. Je crois qu'il y en a deux ou trois dans la playlist. Il y a Warrior, Believer et peut-être genre Demon, un truc comme ça, je pense. Jusque Warrior est passé deux fois aujourd'hui en fait. Tout derrière Spotify était cassé et ça avait reset l'aléatoire. On va l'automatiser ça, comme ça en fait je pourrais le mettre dans les machines. Je sais pas si c'est indiqué quelle énergie ça reçoit les machines. Parce que... De base ça reçoit les 32. Ensuite, après c'est 64 ou 128 directement? Normalement c'est 32, 128, 512 et genre 2048 quoi. Normalement. Sauf que mon panneau solaire le plus élevé, il va me produire du 512, je crois. Donc il faudrait que je puisse au moins tanker le 512. Hein. Donc j'ai au moins deux transformers upgrade, quoi. Peut-être si ça explose, c'est que c'est pas bon. Ouais. Si ça explose, ça me fait chier quand même. Mais... Aluminium, il y a un poulet ou? Ou il n'y a pas de poulet ou? Ah, pas de poulet ou? Il n'y a pas de poulet, mais je pense que je peux, je peux même pas le recomposer avec ce que je pense là. Ah, mais c'est la bauxite. Couillon. Et de la bauxite. Hein. Et l'aluminium qui te refait de la bauxite du coup. Au fin de la dose, mais... Ouais, oui, t'es clair. C'est quoi que j'ai pas cuit tout à l'heure? C'est la stone? Bon, une fois que ça aura fini de cuire mes merdes, ça me fera ça. Pyrium. Toutes les ressources? Mais non. Qui l'eût cru? Tiens, il y en a des crafts en cours. Hein. Oui, il le fait pas. Hein. Parce qu'il y a le pulvériseur qui doit me faire un truc à la con. Ah non, c'est un truc qui se cuit ça. Ouais, c'est la cuisson. Qui m'envoie à HL? C'est un Bedium qui fait de temps en temps qu'il y a des sortes de mini splash là, genre enfin je sais pas, on dirait des sprites un peu le concrete. Il y a des mini traits là, les cons. Pas ton Bedium que ça, je pense. Non, pas de toute façon.
globalement c'est des bugs graphiques, c'est un Medium. Faut chercher à comprendre. Medium ou Rubidium, je sais plus. On va avoir plusieurs de ça. Y'a plus rapide que Ford Mechanism hein? Ouais. Mais ça pue sa mère. Non, y'a le Rainbow Furnace en fait qui est plus rapide. Mais le problème du Rainbow Furnace c'est qu'en fait tu as des crafts qui sont censés sortir des résultats en nombre multiple. Enfin, je sais pas, tu cuis un truc, c'est censé te donner deux ou trois ressources par exemple de une en résultat. Et il t'en sortira qu'une en fait. Voilà. C'est pour ça qu'en fait le Rainbow Furnace j'utilise uniquement pour l'instant pour traiter les ressources de mes poulets. Parce que je suis un pour un. Mais pour les autocrafts, je préfère quand même passer par le Ford Mechanism qui est plus stable, on va dire. Un poil plus long, mais pour ça après. La Netherite Furnace avec les upgrades est plus rapide que le Seedmaker. Ouais, mais je sais pas si t'auras pas le même bug en vrai. Du coup, que le Rainbow. Peut-être mettre. En vrai, de toute façon, t'as aucun risque à mettre full transformer. Plus tu mets des transformers, plus t'es safe en vrai. Théorie. Théorie. Mais en tout cas, il est sans bug. Oui, mais après, mais elle va un peu utiliser aussi le Rainbow Furnace, savoir que c'est bugué aussi, tu vois. Ah, parce que c'est buggy qu'il peut pas utiliser en soi. Du coup, là, normalement, j'ai pas mon transformateur en fait. Par contre, il me faudra des bons câbles. Hein. Parce qu'en fait, si toutes mes machines acceptent du coup un gros transfert d'énergie, je peux juste leur bourrer directement le gros transfert d'énergie dedans en fait. Enfin, la grosse quantité d'énergie, je veux dire. Là, je peux accepter du 2048 normalement, aisément. Contraption. En fait, ce qui me paraît bizarre, c'est pourquoi tu peux mettre. Ah, parce que t'as ce câble là, en fait, c'est ça. La première te fait passer à 128, la deuxième te fait passer à 512, puis à 2048, puis à 8192. Mais vu que moi, de toute façon, je produis que du 512, j'ai absolument aucun intérêt à passer au-dessus, en fait. En théorie. En théorie. Déjà, en vrai, c'est des câbles en gold aussi. Après, les câbles en. En vrai, rien m'empêche de me mettre des câbles en Andorium. Hein. J'ai juste peur que si jamais ça revient vers les panneaux solaires, ça les fasse péter. Parce que, est-ce qu'ils peuvent pas se remplir en énergie quand même, tu vois? Non, on va passer par du gold, hein. Faut se faire chier. Hein. De toute façon, j'ai output du 512, c'est rien que. Ça output du combien au max hein? Ça output du 512. Mais en fait, ça produit même pas 512, ça, si. Mais un stockage entre. Ça me servira pas à grand chose. Déjà de 1 parce qu'il n'y a pas des stockages immenses. Hein. Et en stockage, tu vas voir ça, c'est ouais, c'est quand même 80 millions, enfin 40 millions de flash, mais. Après, oui, si je peux faire en sorte que toute l'énergie arrive dans la battery box, et après, depuis la battery box, je pars sur du 2048. Comme ça, quand je tire et que j'en ai besoin. Ouais, ça me fera des plus gros paquets pour les machines, ça sera mieux en vrai. Pas quand même ça. Mais je passerai quand même pour. Je câblerai quand même en 512 pour tout ce qui sera panneau solaire. Jusqu'à la batterie. Et ensuite de la batterie vers les machines, je passerai sur du EV. On fera ça. Mais de toute façon, on fera ça demain. Là, pour l'instant, j'ai pas la ressource pour faire les machines. Faut que j'attende que ça me prod tranquillou. J'ai pas envie de mettre du tiny bottle là, alors que de toute façon, le live va être terminé et que ça va me produire ça dans la nuit. Hein. Je vais peut-être remettre des carbones quand même à faire. Hop! J'aurais juste pas assez de place dans le coffre, mais en détail. Parce qu'en fait, là pour l'instant, je peux pas mettre plus d'overclocker upgrade. Hein. Si je mets plus d'overclocker upgrade, j'aurais pas assez d'énergie. Parce que je sors que du 32 derrière en fait. Donc, c'est la merde. Et pas des gros trucs. Hein. Sauf que je serais mieux après que les gros panneaux solaires. Parce qu'en vrai, là, si je veux des HV. Déjà, oula, oula,
Ah, je vais, il me faudra quoi? Faut juste que je fasse des copper wire, mais ça on fera ça vite fait dans la rolling machine, là on se fera pas chier. Le truc c'est que je pourrais pas faire au début les plus gros. Les plus gros font l'antimatière. Faudra déjà qu'on fasse un petit peu d'antimatière avant d'aller faire ça. Ouais, déjà si je mets 50 panneaux solaires comme ça, il y a de quoi faire un peu d'antimatière, il y aura déjà de quoi faire aussi un peu de scrap hein, pour pouvoir faire hein, l'antimatière plus efficacement. Parce que ça va être le but de faire et le scrap et l'antimatière. Hein. Et après, l'avantage c'est que je pourrais aussi entangler de ma battery box du coup. Et j'automatiserai sûrement dans la salle là-bas. Le craft notamment. Alors pas de ça. Mais de ça. Là, les call balls. Hein. Des compressés de call balls, là il y a une singularité de ça donc. On automatise ça. Je passerai par un crafter qui me craft les bouboules. Les bouboules elles iront dans le compresseur. Ça ressortira du compresseur, ça réira à nouveau dans le crafter avec de l'obsidienne. Ça fera le graphène. Hein. Ah non, mais le graphène, il n'y a pas de singularity. Ah oui, donc pas besoin d'obsidienne en fait. My bad, hein. J'ai rien dit. Hey, doum, poulouli, doum. En vrai, je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Je suis content d'Automatie Botania. On a chopé tous les mobs qu'il nous fallait là pour les trucs. De toute façon, là, faut que j'attende que la machine fasse farm pour demain. Comme ça, demain, on bourre Industrial Contraption. Histoire de se faire quelques singularities. Là, il y a plein de singularities qu'on va pouvoir dégager aussi demain. Parce qu'on aura les trucs de mob. Hein. Faudra qu'on aille faire du psy aussi. Le Moon d'Abitur, une fois que j'aurai le fantôme qui fermera, je pourrai les faire. Hein. Dark Never Star, je peux déjà les setup en soi. Faudra qu'on gère aussi pour avoir. Du cristallisé de Menryl en permanence. Et pourquoi la machine à singules là? Pendant les prochains jours. En fait, le truc c'est que là pour l'instant ça me sert à rien de faire les machines à singules si j'ai pas les ressources à mettre dedans. Je préfère déjà de mettre en place les setups pour les trucs qui sont longs à produire avant d'avoir la machine à singules. Là je veux dire la prod d'antimatière avant d'avoir ce qu'il me faut pour les singularities, ça va être super long à prod. Hein. Donc c'est pour ça que je veux le mettre en place avant d'aller faire des machines, etc. Ça me sert à rien, tu vois. Ça me sert à rien, sinon. Donc ouais. Donc bon, sur ce, écoutez les amis. Moi je vais faire des gros bisous. Je vous souhaite de passer, je veux dire, une bonne fin de week-end. Bon après-midi. Et puis on se retrouvera demain pour la suite du mode pack. Donc voilà. Merci de vous être dépassé. En tout cas, c'était bien cool. Puis comme dit, on continue tout ça demain après-midi. Enfin demain midi, plutôt, je pense. Alors sur mon bason, je pense que j'en ai dit aussi. Donc voilà. Donc des gros bisous, portez-vous bien, et puis à de bing.